Aujourd'hui, une présentation de nos chèvres, en commençant par la doyenne. Je vous présente donc Cassie, qui est une chèvre alpine que nous avons élevée au biberon. Voilà, c'est une chèvre de 3 ans. Bon, par contre, Cassie est stérile, elle n'a jamais eu de petit. Voilà, vous voyez, c'est une grande chèvre. Toute calme. Bon, les chèvres, on les maintient attachées au piquet parce que on n'arrive pas à les tenir dans un clos fermé avec du fil électrique, ça finit toujours par passer. Et dans ce cas, on n'a plus ni arbre, ni arbuste, ni plantation. Enfin, ça mange de tout, ça abîme de tout. Ça abîme tout. Voilà, pour poursuivre la présentation. Vous avez Caramel, qui est un jeune bouc d'un an, qui est né ici. Il est né prématuré. Pendant 15 jours, on a eu des doutes sur sa survie. Ce qui fait que c'est un petit bouc. On s'aperçoit qu'il est un peu plus petit pour son âge. Donc c'est aussi un bouc de race alpine. Donc là, en ce moment, ils sont en train de brouter. Je vous ferai voir un petit peu plus tard le principe de la rumination. Voilà, donc la chèvre, donc une race différente que je vous présente, s'appelle Lily. C'est une chèvre d'un an qui nous a été donnée, qui a eu un petit chevreau qui est mort 2-3 jours après sa naissance. Donc c'est la seule chèvre que l'on trait actuellement. Mais elle n'a pas beaucoup de lait. Voilà, et elle va illustrer ce que je disais, c'est que les chèvres, ça mange de tout. Donc là, elle est en train de manger le prunus. Alors, ce que vous entendez, c'est deux petits chevrons, ou chevrettes plus exactement. Donc une première qui s'appelle Praline, que nous élevons au biberon. Et la seconde, qui s'appelle Maraude. Je vais nourrir la chevrette et le biberon. Donc c'est juste du lait en poudre pour caprin et ovin. Regardez. Hop. Et voilà, ça ne va pas durer longtemps. Donc nous avons certaines choses à observer chez la chèvre, à commencer par les yeux. Donc si elle veut bien se tourner vers nous, voilà. Alors on s'aperçoit, je vais la tenir un peu, que la pupille est rectangulaire. Donc je vous parlais des dents de la chèvre. Alors voilà, regardez. Hop, hop, hop. Donc elle a bien des dents en bas, mais elle n'en a pas
en haut. Voilà. Enfin, là, on a quelques-unes, des molaires, au fond de la bouche. Et juste un bourrelet de gencive sur le haut. Donc là on a un petit peu de lait au fond du pichet, il n'y en a pas beaucoup parce que Lily a eu un petit qui est malheureusement mort à la naissance et donc elle ne produit pas beaucoup et en plus nous on ne la traite pas deux fois par jour comme dans un élevage laitier pour faire du fromage. C'est sa première lactation donc là il y a assez peu de lait mais on peut le goûter et faire du fromage. Sinon on l'utilise nous pour nourrir les petites chevrettes qui sont encore au biberon. Allez-y.